Salut gens d'internet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur iFactions. Merci En fait, pour l'argent. aujourd'hui pour un petit cas tournoi, on est dans un mode HC-UHC, donc un petit tournoi UHC. Je suis pas tellement doué au UHC, encore moins en Minecraft, donc en espérant qu'on puisse au moins faire un kill ou deux directement maintenant. Donc on va focus Jubilee, on va se faire focus aussi un peu à côté, les amis, parce qu'on s'appelle Icons, bien entendu, vous le savez. Hop là, les amis, on va s'éloigner, on prend un petit capo. Il n'y a pas de capo head, bien sûr, parce qu'on est, il manque quand même des arcs, malheureusement, mais c'est pas très grave. On va focus lui. Je l'aime pas. En vrai, je l'aime, c'est un abonné qui fait tant sur PS7 même. Oh shit, je vais mourir. Non, 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 non. Non. Oh, il y a Simon. Attends deux secondes, Icons. Il y a Zuzuri. Ça fait 3-2-1. What? 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 Je sais pas jouer à UHC en vrai. Oh non, don't focus me, motherfuckers. Don't focus me. Oh, Xylos derrière toi. Arrête. Je rigole, on a lit Xylos, on a lit. Non, y'a Yuzo, il va me focus. Il va mourir. Oh putain, on aurait dû full critique Yuzo, on l'aurait tué. Vas-y, t'es où Xylos? Xylo, je me fais focus, faut que tu viennes m'aider. Je suis dans un coin avec Raton Laveur. En vrai, je survis bien pour une personne qui sait pas jouer au PvP. Il y a énormément de gens en fait, c'est genre un truc fort. C'est bon, j'en ai, drop un. Ça devrait, on devrait faire en sorte que quand tu drops quelqu'un, ça te donne un reward, genre une pomme ou quelque chose. Genre. Donc ça te heal. Ouais. Oh, j'ai récupéré une gap. Je me fais focus de ouf. Moi avec, mec, truc de malade. Mais regarde, je me fais focus de partout. La team de ouf, la Krasek et tout. Oh, pelaï. Je kick Krasek et tout après. Non, non, non. Je me fais grave, moi. Tu kick les boss, ils ont pas dit si c'était team ou non, fait que. Pas savoir. Attends, oh, ouais, j'arrive. Le gars, il y a voix. Moi, j'ai fait une team, c'est bon. Oh my god, je vais mourir. Si, c'est ma destinée. Ils m'ont tout focus comme les enculés quand je voulais faire une équipe. Et quand tu es dans un coin avec moi? Dans le coin, il y a Malfox, c'est à côté de où il y a Malfox. Attends, je vais sauver Malfox. Qui c'est que c'est une focus? Ouais, Icon, si je t'ai envoyé. Ok, vas-y. Je te mettrai ton compte direct. Par exemple, j'ai mis un mot de passe de merde, tu le changeras, tu sais. Ouais, ok, ça marche. Je pense qu'en truc comme ça, faut critique en fait. De quoi? Putain, ils sont pas là. J'ai jeté mon épée. Hey, Icons. Ah, Icons. Bah ouais, quoi? T'es en vidéo là ou quoi? Ouais, ouais, je suis là. Attends, je vais dire après, non. Il est mort. Il sait qu'il est mort. Genre, il a récupéré. Non, non, il me traite pas qu'il me traque une pêche. Il y a son pote qui vient l'aider. Oh putain, ça fait chier quand même le canapé, j'en veux. Non! Je pensais pas que j'allais survivre aussi longtemps en vrai. Y'a Bumby et tout là, mais eux c'est des méchants finalement, je pensais qu'ils sont gentils. En vrai, faut sauter, toujours sauter dans ce mode de jeu, c'est hallucinant. Quelle forme tu vois? Nomis. Ah, Nomis, viens ici. Viens ici, Nomis. Viens ici, Nomis. Viens ici, Nomis. Oui, Nomis. Oh, oh non! Oh shit, j'ai activé X-Ray. Je suis trop con. J'appuie toujours sur mon X à côté, en fait, sans faire exprès.
Boom! Boom! One more door down. Ok, je pense qu'il y a un gars qui cheat. Tu veux pas. Il y a pas quelqu'un qui va vérifier? C'est qu'on commence même à focus à deux, quoi. Comme un fils de pute. Il me reste deux pommes seulement, donc c'est soit. C'est maintenant ou jamais, quoi. Attends, on va aider la Kenjino, là. Oh, what? Oh, what? Y'en a un autre qui s'est ramené. Je suis mort. Oh putain, je suis mort. Non, 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 let's go, let's go, let's go. Oh non, un cœur, deux cœurs. Deux cœurs, non, deux cœurs, deux cœurs, deux cœurs. Je peux juste courir, je trouve que le game suit encore. What? What? Comment il a volé jusqu'à moi lui? Modo, je pense qu'il y a des problèmes en fait. Mec, j'ai plus de pommes d'or, je suis en train de camper. Moi aussi, je vais juste courir comme un malade de Nicolas. Mais mec, j'ai une maison. Viens sortir nord-est. Nord-est. Viens nord-est, on t'héberge. Non, non. À quoi tu viens nord-est? Je peux pas venir nord-est. Viens, on a une maison. C'est, on dit nord-ouest, mais bon, c'est pas grave. Non, nord-est. N-E. N-E. Ah, ça, go for the ghost of Icon. Oh, il t'a tué. Wow. Pas gentil, ça. Tu l'as tué. Oh my god, je suis triste maintenant. Je suis triste. Mec, c'était mes copains. Je suis triste. Ouais, les gars, on se reprend dans le fond. Après le tournoi, j'ai un peu ragé quand même. Je vais pas vous cacher parce que bon, il aurait dû m'aider mes amis, mais bon, c'est pas grave. So, j'ai décidé qu'on allait tout faire. Dans le fond, si vous venez pas dans le pillage d'avant, l'épisode d'avant, je sais que je tourne deux épisodes après les autres. Vous aimez pas tellement ça, mais inquiétez-vous pas. C'est juste que demain, il y a en fond une admin série qui sort. Fait que tu sais, genre, j'ai pas envie de. Prendre du retard, fait que je préfère tout de suite créer les vidéos. So, voilà, on va directement faire ça, voilà. En fait, on va vite fait s'arranger pour que tout ça fonctionne. On va pas là, en fait, voilà. Ensuite, c'est les carottes, donc ça c'est plus simple, c'est du 32 par 32, fait que ça donne deux émeraudes à la fois. Ouais, en gros, ouais, en fond, j'ai décidé qu'on allait tout vendre ce qu'on a eu dans le pillage. Ensuite, on va se retrouver demain pour genre un event, tout simplement quelque chose qu'on va faire avec la faction. Parce que bon, voilà, c'est sûr que des épisodes tout le temps tout seul, c'est sûr que c'est pas tout le temps le fun. Mais aujourd'hui, je pense que ça pouvait le faire. Enfin, c'est mon avis personnel, bien sûr. Après, je sais pas. Attendez un instant, on va prendre tout ce qu'on a pris qu'on a à vendre. Donc, la canne à sucre, carottes, non, il s'en manque. Canne à sucre, ça on peut vendre, les rares qu'on peut vendre, ça on va prendre aussi. On peut aussi vendre toute la canne à sucre qui est là, on peut vendre le melon, on peut vendre aussi ça, plus ça, je sais pas si c'est pas pour ça. Ça on peut les échanger, ça aussi. Et puis je pense que c'est bon, le reste on peut pas vraiment vendre ou échanger rien de ça. Peut-être les cactus, ça on peut prendre ça. Ça, on peut vendre les cactus bien sûr. Et le cuir, si je me trompe pas, ça on peut pas le vendre, fait qu'on s'en fout, voilà. Nos outils, on s'en fout pour l'instant. L'or, on peut pas le vendre, mais on va quand même l'amener au cas où. Et je pense que c'est tout. Oh, ça, on va le mettre en vente dans le e-shop. Et puis, ben, on a eu quand même pas mal de stuff, etc. Donc voilà, let's go. Flashback. Hi! Alors, on a eu un bon pillage, en vrai. Quand j'y pense, c'est qu'on a vraiment eu un bon pillage. Truc de malade. So, oh, on a récupéré de la canne à sucre de tantôt. So, le chasseur, on va directement vendre dans le fond nos fils. So, c'est 48 fils pour ça, puis là je pense pas qu'on aurait assez, c'est 48-48, donc ouais, on a pas assez. Ensuite c'était quoi? On peut vendre des pépites d'or, what the fuck, sérieux? On peut-être transformer le truc avec des pépites d'or alors. Tac tac, comme ça, puis oh il nous manque un cuir, Colin de bien. Voilà, puis on va faire en fond ça, comme ça. Boum boum. Comme ça, puis on va faire genre, on va les laisser là, quoi, on s'en fout. Ça c'est bon. Ensuite, les fils, on va les. Bambi a gagné, GG. GG. On va. L'agriculteur, vendre les melons. Enfin, voilà, vous avez compris quoi, ce que je voulais dire. On n'a pas assez en prêt. Ensuite, les citrouilles, on devrait en avoir assez pour un autre. Normalement, oui, voilà. Ensuite, les melons, ça non. Ça non.
Parfait. Fait que là, on va juste vendre la canne à sucre et les melons. On devrait être bon en argent. On devrait avoir un peu d'argent aussi pour faire des achats dans le market. Si on en a 802. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à vendre? Pas grand-chose en vrai. Fait qu'il nous manque un cuir pour pouvoir vendre ça. Fait que ça, on va essayer de trouver un cuir. Ça. Oh, on peut-tu vendre le fer? Est-ce qu'on l'échange contre de l'argent ou on l'échange contre des blocs? On n'a pas assez pour des blocs de toute façon, fait que let's go. On va tout vendre ça. Qu'est-ce qu'on a eu? 207. C'est pas la meilleure solution à faire, mais ça nous a quand même donné 80$. Et on va aussi. Je pense. Donc voilà, on a 18 émeraudes au total maintenant. Avec ça, on en a 34. On a encore des pumpkins ici. On a un peu de patates qu'on pourrait même vendre plus tard. Et on a quoi d'autre? Des pommes d'or, si on s'en fout un peu. Comme j'ai déjà dit un million de fois, les pommes d'or, voilà. L'XP, l'obsidienne, celui-là, c'est l'obsidienne qu'on va mettre en vente au marché. Fait que voilà. Je vous mets ça au marché, j'espère qu'on peut se avoir un peu d'argent et je vous retrouve tout de suite après. Wow, what the fuck, j'ai fait slash market. Il y a quelqu'un qui vend 30 blocs d'émeraude. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui vend, dans le fond, du cuir. So, on pourrait peut-être acheter du cuir là pour s'en faire de l'émeraude. Parce que si on calcule le prix d'une émeraude, ouais, c'est 51. Ça, c'est pas cher, par exemple. Ben, malgré que. Ouais, ça, c'est cher. Pas tellement cher, ça on va l'acheter. Voilà. Quoi donc qu'il y a? Un point de classement à 10 000. Point de classement à 10 000 aussi. Les points de classement, ça vaut genre environ 8 000. C'est le moins cher en ce moment, là, à 8 000. Il y a un spawner à 25 000. Il y a eu un box. Oh, on en voulait un, c'est ça qu'on avait besoin, mais... Shit. C'est trop cher, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre? Lilypad, on va acheter dans Lilypad. Le bloc de gold 2000, bof. C'est vraiment un cuir en fait que j'ai besoin. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais acheter le plus que je peux. Ah, j'ai pas assez. Ok, bon ben let's go. On va prendre ça puis on va l'échanger contre... Contre ça ici. Tac, tac. Tac, tac. Et voilà, ça c'est mieux. Ben c'est bon, c'est tout. Fait qu'on se retrouve les gars à la base pour voir qu'est-ce qui se passe après tout de suite. Ouais, j'ai pas eu le temps de vous montrer dans le dernier épisode tout ce qu'il y a, ça avait récupéré, donc il avait récupéré pas mal de trucs comme vous pouvez voir ici. Pas mal de potions, des livres quand même assez bien, du stuff. Je veux que je suis en train de vous montrer vite fait un peu tout ce qu'il a récupéré. En gros, voilà, tout ça. Fait qu'il a surtout récupéré la sharpness 4 ici qui est vraiment bonne. Nous on a encore notre sharpness normale. On a nos deux ici, qu'on pourra utiliser plus tard. Mais en gros voilà, on a toujours aussi nos chests puis tout. On a un fire aspect 1, leave fire aspect 1, faudrait peut-être trouver un autre leave fire. Ou sinon, qu'est-ce que je pensais faire, c'est mettre peut-être le fire aspect 1 sur la chest loot. Je sais pas encore, on va voir. Fait que là je vais aller à mon home lol en espérant qu'il soit pas encore pété. C'était quoi, c'était-tu ça? Oui, on a aussi trouvé un spawner en s'en venant ici. So, il est pas très loin du il est quand même pas très loin, je pense qu'il est à 5000 blocs du spawn. Fait que voilà. Oh yes, mes enfants sont encore là. Oh yes. J'avais oublié d'enlever mon bacon de là pis tout, so fuck yes, une chance que ça n'ait pas été pris. Fait que, ok, ben je vais prendre tout ça. Je vais prendre tout ça, ok, ça on s'en fout, il n'y a pas d'autre chose d'important ça. Puis on va mettre à notre BP dans le fond, tout ce qui est important, parce que voilà. Fait que c'était juste un petit home pour l'instant, pour le début quoi. Fait que on va prendre tout ça, on va commencer par fusionner, so, attendez. Je vais fusionner les armures puis je vous montre tout ça après. Yup, donc je me suis drop les niveaux, là j'ai du P1 ici, moi c'est pas ça que j'aimerais avoir, c'est du full P2, il n'y a pas un autre P2, ouais. Ça fait un P3, parfait, ça plus ça, ça fait un P3 aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Des bottes, on a-tu des bottes? Non, on n'a pas deux sets de bottes, on a un set ici, on peut faire du 2 P2, qu'on pourra fusionner ensuite. P1, P2 non, P2 bof, P1, ok, fait. Genre, en gros, on a quoi ici? Oh, on a des bottes, en fait. On a des bottes ici. Puis, on a des pantalons P2 aussi. Non. Ouais. Ça, comme ça. Voilà. Enfin, ça va être des kits, en fait. Ce seul P1, on va laisser celle-là. Puis, ça, on va pouvoir fusionner. So, let's go. Je me redrop des niveaux. Vite fait, on fait ça. Je pense que ça coûte 9 niveaux, alors, exactement. Voilà. Puis, c'est 9 niveaux, là, puis qui sont un peu plus réparés. Un peu plus durs à réparer. Voilà. Oh, c'est 13. 14. Oh, c'est 13. Je me suis trompé, tabarnouche. Voilà. Et on a du P3, puis du P2. Fait qu'on a presque un full... Oh, on a un full P3, en fait. Fait que ça, on a un full P3. On va le mettre dans notre SC. Fait qu'on a un full P3. Ça, ça fait plaisir. On a un P2. On pourra peut-être le vendre dans le iShop. Le casse, vu qu'on n'a pas tellement besoin. On va se drop les niveaux, parce que j'ai pas le goût de garder 11 bouteilles pour rien. Qu'est-ce qu'il nous reste, sinon? Il nous reste 17 bouteilles aussi. Bon. On va se drop aussi. On va, ben en fait, c'est vrai ce qu'on va faire,
On va mettre le livre qu'on avait dans notre C sur notre épée. Fait qu'on va faire ça comme ça, puis on va faire ça. On va plus s'appeler Chess Loop par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Oh, en fait, ça marche pas. Lol, c'est vrai, on peut pas combiner ou réparer les épées qui sont Chess Loop. J'avais oublié. Fait que, rip le livre Fire Aspect. On va le mettre en vente dans le marché. So, oh, mon opsi s'est déjà fait acheter. J'avais mis mon opsi en vente tout à l'heure. C'est fait acheter. So, on va faire. Genre 750 tiens, c'est bon, comme ça, puis on va mettre notre obsi aussi, donc c'est parti, on va mettre notre stack d'obsidienne, voilà, on va mettre tac, voilà, 32 pour 305, puis on va mettre le stack pour 700 genre. Puis on va mettre genre. Oh, j'ai été un peu trop vite là. Voilà, pour 700. Voilà. 64 pour 700. Et puis voilà, on aura un peu d'argent ensuite. Qu'est-ce qu'on peut mettre en vente? Rien d'autre. On peut fusionner nos deux Sharpness 3 pour faire une Sharpness 4. Ça nous coûterait combien de niveaux ça? 23. Mm-hmm. Non, pas vraiment. Fait que c'est pas mal ça, les amis. Je reprends quand j'ai quelque chose d'intéressant. D'autre, à tout de suite. What's up? Donc, on se reprend. En fait, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. En fait, j'y pensais en ce même moment. En fait, on a sorti la mise à jour. Un autre mise à jour. Donc, il y a le morpion en ce moment. C'est quoi le morpion? C'est un peu comme les conflits. Vous pouvez jouer les morpions. Donc, en cours. On peut voir, c'est un des jeux les plus populaires sur le serveur en ce moment. Les gens adorent le morpion. Donc, il y a encore en version alpha. Sur... shit. Là, ce joueur est déjà en duel. Ok. So, en gros, Morpion Create, genre 500. On va jouer une game à 500. Ma game est mis. Là, quelqu'un va join ma game. So, comme d'habitude, on attend. Quelqu'un join ma game. Oh, c'est lui qui a été choisi pour commencer. Donc, on joue contre Viper. Donc, good luck, Viper. On fait un petit tacto, en fait. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un. Il m'a coincé, j'ai perdu. Oh, rip. Il m'a coincé, l'enculé. Voilà, bien joué, mec. Donc, on peut voir l'historique de la game. Donc, comme vous voyez ici. Et on peut voir, dans le fond, qui a gagné, etc. On va refaire une game, GG. On va faire une game, comme on a d'argent, on a 66. On va faire une game, Morpion Create 66. Voilà. C'est pas vite, normalement, les gens, ils gagnent hyper rapidement. Les gens adorent ce mode de jeu-là. Donc là, c'est à nous de commencer, si on va jouer les coins. On va jouer les coins. Tac. Il va me mettre là, puis là, nous, on veut jouer là. Ça va être une partie taille. J'allais faire une connerie là. Il joue hyper rapidement le gars. Voilà, c'est une partie de taille. Raton Laveur a pas perdu, a pas gagné. Fait qu'on va recommencer une partie à 66. Et c'est à notre tour de jouer encore. J'espère qu'il va pas jouer le milieu. S'il joue le milieu, on est fuck encore. Il joue encore le milieu, l'enculé. On va le faire à la reverse. Je pense que j'ai de faire une erreur là, je suis pas sûr. Il y a un petit bug, c'est dit autour de Life Action, mais c'est autour du gars. C'est des petits bugs comme ça. Et voilà, on l'a coincé. Easy. Il est coincé ici, lui, ici. Il sait qu'il a perdu. Voilà. Boom. Boom, 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 boom. GG. So, en gros, c'est un nouveau mode de jeu. Il y a encore des petits bugs. Comme je vous dis, il a été release aujourd'hui. Il y aura des bugs qui vont être corrigés le plus rapidement possible. Fait que, en espérant que, quand vous pouvez regarder cette vidéo-là, que les bugs sont déjà patch. Parce que, bon, vous avez vu sûrement la vidéo du pillage juste avant. So, voilà. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est mis un épisode quand même assez pack. J'ai quand même règle deux épisodes, un à la place de l'autre. Deux épisodes quand même assez pack. Dans le sens que vous avez vu le tournoi en mode bulle du haché, vous avez aussi eu le pillage dans l'ancienne vidéo, vous avez aussi les transferts, l'explication du nouveau plugin de Morpion, etc. Puis, vous avez vu en fond les ventes, etc. En espérant que ça vous ait fait plaisir, les amis, sincèrement, si ça vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et le partager avec vos amis. Ça me ferait énormément plaisir qu'on atteigne les 100 pouces bleus sur cette vidéo-là. Et puis voilà. Aussi, pour le Morpion, vous pouvez voir vos stats. Hein, si vous faites Morpion stats, vous pouvez voir le nombre de parties que vous avez jouées. Donc, j'ai le nombre de jeux, j'en ai joué 2. Une partie gagnée, une perdue. Le nombre de total de pertes. Donc, j'ai perdu 500 au total. Mon montant va diminuer à chaque fois que je vois gagner. Donc, j'avais perdu 550. Ben là, voilà, vous comprenez. Et ainsi de suite. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est Taekwondo. Peace!